tenais à remercier donc l'atelier de dessin de Saint-André-des-Alpes, sa présidente, et bien entendu tous les artistes présents dans la salle. Donc je me répète chaque année, mais je ne sais pas jusqu'où vous allez aller, parce que chaque année c'est de plus en plus joli, de plus en plus complet, de plus en plus divers. Et effectivement, on peut voir au gré de la balade dans la salle que les travaux exposés sont magnifiques. Et donc, moi je tenais personnellement à vous féliciter par rapport à ce que vous faites tout au long de l'année dans cette salle polyvalente. Vous savez qu'on a mis à disposition la salle sans problème, on a même augmenté les tables en plus, et puis quand il n'y a pas assez de place en haut, éventuellement, vous descendez. Donc la salle est pour vous, hein. Donc elle est à votre disposition. Sachez que la salle est aussi pour vous pour cette période d'expo. On a démonté jeudi soir l'exposition sur la résistance, et donc on a mis en place très rapidement hier les grilles d'expo. Donc bravo pour cette magnifique exposition. Je ne vais pas féliciter les artistes un par un, mais ils le méritent. Je vais faire le tour après. J'ai commencé un petit peu déjà. En tout cas, c'est vraiment d'une qualité remarquable. Et puis beaucoup de monde est là pour vous accompagner, pour vous féliciter et pour vous remercier. Voilà. Merci Madame la Présidente et merci à vous de la vie. Bonsoir à tous, à tous ceux que je n'ai pas salués. Merci d'être venus encore aussi nombreux cette année. J'espère que la visite tout au long de cette semaine vous sera agréable. Vous pouvez revenir plusieurs fois. Je remercie tous les exposants, évidemment, qui nous aident déjà à confectionner ce buffet. Et plus tard, le pot de l'amitié qui nous est offert par la municipalité, que je remercie ici bien sincèrement. Également aussi pour le prêt, pour les employés municipaux. Vraiment, on est aidé de toutes parts et c'est vraiment un plaisir de faire cette exposition. Alors, cette année, on a choisi un thème sur les îles françaises. Alors, qu'est-ce que j'ai encore mis sur mon papier? Je remercie ceux qui nous ont fabriqué cette case, c'est-à-dire M. Blanc, M. Foulet, M. Beauchère et Mme Béranger qui ont offert des matériaux. Et c'est vraiment... Je ne pensais pas que c'était quelque chose d'aussi beau. Donc, je pense que la scène est attrayante. Alors, cette année, donc nous sommes devenus une association à part entière afin d'élargir notre gamme d'activités qui sera tournée vers d'autres générations, vers d'autres activités. On a cette année des brodeuses, du patchwork qui font des choses magnifiques. On espère avoir des sculpteurs peut-être bientôt, j'espère. Voilà. Et je remercie aussi toutes ces personnes qui ont joué le jeu du costume.